Ils sont toute une bande, leur multitude est grande. Vêtus de vert de gris, ce sont nos maîtres, vous m'entendez. Vêtus de vert de gris, ce sont nos maîtres nazis. Occupant notre patrie, menant la bonne vie, ils ont pris et volé tout ce qu'on peut, vous m'entendez. Ils ont pris et volé tout ce qu'on peut manger. Pillage et mouchardage, fusillant nos otages, ils veulent prendre nos gars pour les emmener, vous m'entendez. Ils veulent prendre nos gars pour les emmener là-bas. Mais un peu de patience, ils quitteront la France. Vous ne les verrez plus, ils sont déjà, vous m'entendez. Vous ne les verrez plus, ils sont déjà foutus. La compagnie de Mandrin. Et vous avez bien vu que cette complainte est détournée, entre guillemets, comme c'était très souvent le cas, pour faire une chanson qui est une chanson de dénonciation, qui est une chanson de révolte, et qui était donc une des chansons qui a été fredonnée, chantée pendant la guerre. Alors, vous remarquerez d'ailleurs que quand justement on fait une chanson de ce type sur une chanson populaire que tout le monde connaît, il n'est pas forcément nécessaire de connaître les paroles. Parce qu'une fois qu'on sait que cette chanson est détournée, il suffit de la fredonner pour que dans la tête des gens qui entendent, ce soit le sens détourné qui arrive spontanément à l'esprit. Résister par l'art et par la littérature, c'est donc le thème du concours national de la résistance de cette année. C'est un thème auquel nous réfléchissons depuis longtemps, sur lequel nous avons insisté depuis longtemps. Et nous le faisons avec beaucoup d'intérêt, nous l'avons porté avec beaucoup d'intérêt et beaucoup de force. D'une part, parce que pour nous, je pense pour tous les historiens, pour les gens qui aiment l'histoire, la littérature, les arts et l'histoire sont inséparables. Les uns sont étant à la fois des reflets et des moteurs. C'est évident que la littérature et les arts sont des reflets d'une époque, mais elles sont aussi des moteurs d'une époque. C'est elles qui font bouger les mentalités, bouger les représentations. Il était donc tout à fait important, d'une manière générale, d'aborder cette question-là, et encore plus pendant cette période de 1940, 1944-45, la période de la guerre, de l'occupation, de Vichy, des nazis, de la France libre et bien sûr de la déportation. C'est quelque chose donc auquel nous tenions infiniment en insistant sur les deux aspects, et les intervenants vont bien sûr toutes les fois le préciser. C'est que la culture est bien sûr une création, on va donc vous parler de créateur, mais aussi la culture est une manière de vivre et d'exprimer quelque chose. Donc la chanson dont on vient que l'on vient de vous passer, comme d'autres chansons que vous allez entendre, mais comme aussi des manières de réutiliser le patrimoine, vont être à différents niveaux des manières de résister. Pour le citoyen lambda, celui qui subit, qui attend un peu, qui s'interroge, soudain, tel poème de Victor Hugo va prendre un sens. Et un sens différent en 1940 de ce qu'il était 3 ans ou 4 ans avant. Il est évident que pour les résistants,
c'est d'ailleurs un débat que nous avons eu au moment du choix du thème, pour les résistants, il y a eu aussi une résistance de l'écrit, une résistance de la création, une résistance de la poésie, une résistance de la littérature, y compris bien sûr la littérature clandestine. Enfin, autre aspect, la radio, la BBC en particulier, la radio de la France libre, a infiniment utilisé à travers les chansons des thèmes, a utilisé la radio pour faire passer des chansons qui étaient justement des actes de résistance. De la même façon, la France libre ou les Anglais vont envoyer des tracts dont certains seront y compris des poèmes résistants ou des chansons, etc. Enfin, il nous a paru évident, même si je crois qu'il pourrait y avoir un débat là-dessus, que la culture, au sens large du terme, a été pour des gens qui étaient emprisonnés, qui étaient déportés, a été aussi une manière de survivre, soit en étant créateur, on a eu notamment des dessins que l'on pourra voir, soit en utilisant ce patrimoine au fond d'eux-mêmes pour continuer à faire partie de l'humanité, à rester des humains dans des endroits où on voulait qu'ils ne le soient plus. Donc c'est vous dire à quel point pour nous ce thème était capital, à quel point il est riche. Et bien sûr, il va être présenté par nos différents intervenants. Il y aura tout d'abord représentant l'Association des professeurs d'histoire-géographie qui co-organise cette table ronde à Alette Briat, qui va vous dire quelques mots. Ensuite, nous allons dérouler donc notre débat avec trois intervenants, de ma gauche à mon extrême droite. Désolé, Emmanuel, une extrême droite relative, comme chacun le comprendra bien. Donc, Hélène Staes, qui est professeure, qui est détachée à la Fondation, non, j'hésitais sur le mot de détaché, mise à disposition, donc c'est bien détaché, à la Fondation de la Résistance, et qui coordonne le livret qui est envoyé à l'ensemble des établissements et que vous avez pu vous procurer au stand de la Fondation de la Résistance ce matin. Ensuite, Guy Crivo-Pisco, qui est professeur, qui est conservateur du Musée national de la Résistance de Champigny. Et enfin, Emmanuel Thiébault, qui est également professeur et qui est responsable du musée de Caen. Non, je rectifie, je ne suis pas professeur. Pardon. Je suis simplement historien au Mémorial de Caen. Je ne suis pas le responsable, parce que mon directeur, sinon, va me tirer les oreilles. Donc cette correction étant apportée, donc il est non responsable. Historien au Mémorial historien de Caen, ça suffit. Au Mémorial de Caen, ça suffit. C'est effectivement déjà une lourde responsabilité. Exactement. Je vais donc, en les remerciant de leur présence, je vais donc d'abord passer la parole à Alette Briat. Oui, vous avez quand même remarqué qu'il manque une intervenante, Madame Claire Paulin, qui donc vous prie de l'excuser, elle n'a pas pu venir. Nous avons l'habitude dans ce genre de conférences d'avoir parfois un témoin ou autre qui s'absente. Je représente donc moi l'Association des professeurs d'histoire géographie qui a eu l'initiative de tous les ans d'organiser donc cette table ronde à Blois sur le thème du concours. Cette année, donc, Madame la Présidente vient de vous l'expliquer, mais nous avons l'aide, chaque fois, d'une fondation, selon, évidemment, le thème prévu. Cette année, c'est la Fondation de la Résistance, avec Hélène, qui nous a apporté une aide substantielle. Alors, nous avons toujours eu l'honneur de recevoir, dans ces tables rondes, des témoins, des plus illustres ou plus modestes. Et je voudrais spécialement rendre hommage au dernier des grands témoins que nous avons reçus il y a 2 ans, Jean-Louis Cremieux-Briac, qui, malgré son âge, est venu
jusqu'à nous. Et je pense que son intervention reste encore dans vos mémoires si vous étiez présent. Donc je voulais lui rendre un hommage de plus. Il vient de disparaître cette année. Alors pourquoi tous ces témoins se sont déplacés à notre appel ? Eh bien, ils savaient, ou ils savent encore, que les professeurs d'histoire-géographie ont été, à l'origine, la cheville ouvrière de ce concours, et qu'ils continuent à l'être aujourd'hui, bien sûr, avec l'aide d'autres professeurs, si c'est possible, dans l'équipe. Ils aident à la transmission de la mémoire, c'est un de leurs grands sujets de travail. Je rappelle aussi, tous les ans, que leur participation est bénévole, que ça leur demande un travail très important, et ceux qui sont là pour le dire, on ne le dit pas assez, ils sont volontaires, bien sûr, et ils travaillent bénévolement en ce concours. Merci donc aux professeurs d'histoire-géographie qui sont là présents et qui continuent à préparer ce concours. Merci à tous les autres professeurs et merci aussi au public qui est toujours présent avec nous. Je laisse donc la parole à notre présidente. Elle ne s'est pas présentée, donc je la présente. Merci. Donc, je suis effectivement Joanne Dussault et je suis présidente du jury national du concours national de la résistance et de la déportation. Nous n'avons pas de témoins, effectivement. Et je crois que beaucoup d'enseignants vont nous dire nous avons l'habitude de faire appel à des témoins ou des témoignages, et comment aborder un sujet comme ça sans faire appel à des témoins et à des témoignages. C'est pourquoi nous avons décidé de vous de soutenir nos propos avec des images, avec des illustrations sonores. Vous avez commencé à entendre la complainte de Mandrin. Tout simplement pour vous montrer l'extraordinaire richesse du support que l'on peut avoir en termes d'images, en termes bien sûr de poèmes, en termes de textes, en termes de peinture autour de ce sujet. Donc systématiquement vous allez avoir des images qui pour une bonne partie d'entre eux seront commentées. Donc on va commencer par tout ce qui est du domaine littéraire, et c'est Guy Crivopisco qui prend la parole. Merci Madame la Présidente. Alors pour évoquer mon propos sur la résistance littéraire, je vais m'appuyer sur quatre documents qui sont conservés dans les collections du Musée de la Résistance nationale. D'abord un journal clandestin, Pantagruel, un petit livre clandestin qui reproduit une nouvelle de Guy de Maupassant, Le Père Milon, une chanson sous la forme d'un tapuscrit, une chanson de Maquis, et puis enfin le premier feuillet du manuscrit autographe du poème Liberté de Paul Éluard. Alors, d'emblée, je peux dire que la première expression d'une résistance littéraire s'affirme dans la presse clandestine. Et il n'est pas surprenant qu'un des tout premiers journaux clandestins emprunte son titre à l'une des œuvres romanesques, une des plus anciennes et une des plus populaires de la littérature française. Ce choix place l'entreprise sous le double signe de l'humanisme et de l'optimisme, dans une période où, d'une part, tout laisserait croire que la défaite et l'asservissement du pays sont irrémédiables, et que, d'autre part, l'idéologie anti-humaniste des occupants et de l'État français, idéologie anti-républicaine, antidémocratique, antisociale, raciste, xénophobe, antisémite, s'impose désormais comme ce que doit penser tout un chacun. Je vous laisse deviner le choc des images produites dans la tête du lecteur de l'époque par la magie de la simple évocation du nom de Pantagruel. C'est le premier exemple de l'art de contrebande de la résistance littéraire. Il n'est pas non plus surprenant que ce titre soit suivi d'une longue citation de Pantagruel, extraite du chapitre 2 du tiers livre, faisant l'éloge de la raison et de la liberté de jugement, et que le sous-titre et l'éditorial affichent l'information comme objet de la publication, c'est-à-dire ce qui permet à la pensée de s'exprimer librement et de former librement un jugement. Alors, je le répète, qu'à l'époque, les nouveaux maîtres, pour eux, le slogan, c'est « croire, obéir, servir ». C'est le deuxième exemple de cet art de la contrebande de la résistance littéraire. Et
Je terminerai ce propos sur Pantagruel de dire qu'il n'est pas surprenant que l'initiative revienne à un simple citoyen, l'initiative de ce journal, simple citoyen qui s'appelle Raymond Dès. Je dis simple citoyen parce que l'immense majorité des résistants sont de simples citoyens. Et qu'il est éditeur de musique, donc homme de culture et pris de liberté. Animé par les mêmes sentiments et les mêmes motivations, d'autres journaux ou imprimés clandestins, tracts, papillons, affichettes, à l'exemple de Pantagruel, se réapproprient le patrimoine littéraire, français ou étranger, interdit ou non. Ils le diffusent, le font vivre comme expression d'un refus du nouvel ordre qui bannit toutes les libertés individuelles et collectives. Les réappropriations passent d'abord par des titres tels Gavroche, le journal du Fonds patriotique de la jeunesse en Île-de-France en 1943. Aussi par des reproductions et des citations de textes comme le célèbre Aux Français du 17 septembre 1870 de Victor Hugo, qui paraît dans les Lettres françaises clandestines d'août 1944. Mais Hugo n'est pas le seul écrivain convoqué dans cette résistance de la culture. Goethe, Hölderlin, Peggy et tant d'autres paraissent à pleine colonne dans la presse clandestine. Les impressions clandestines aussi diffusent des créations littéraires comme le poème Oradour de Jean Tardieu, reproduit par les Lettres françaises de juillet 1944. Il est à noter l'existence d'une presse clandestine professionnelle du monde de la culture. On y reviendra certainement après dans nos échanges. Presse pour les écrivains, les Lettres françaises, pour le cinéma, l'écran français, pour les musiciens, musiciens d'aujourd'hui, etc. Et toutes ces publications, évidemment, rappellent l'éthique de la profession, alors que les nouveaux maîtres séduisent et corrompent autant qu'ils répriment et interdisent. Mais aussi, ces journaux sont l'objet ou l'occasion de débats entre créateurs, de débats très vifs, qui continuent malgré l'occupation et les interdits, et surtout des vecteurs de publication, de création littéraire. Deuxième forme de résistance littéraire, c'est l'édition de romans ou de nouvelles sous forme de petits formats. On pourrait dire d'ailleurs que la résistance va populariser le livre de poche. Et ces livres sont diffusés à la manière du colportage. Et on pourrait dire aussi que la résistance renoue avec la tradition des temps anciens, de la bibliothèque bleue, ou des éditions de contrebande politique, littéraire, pornographique, etc. Et cette édition de romans ou de nouvelles, pour moi, est la deuxième forme d'expression de cette résistance littéraire. Alors l'édition clandestine de la nouvelle de Guy de Maupassant est exemplaire. D'abord, le texte de Peggy réunit 5 critères favorables à son édition par la résistance. D'abord, l'auteur est connu de tous et apprécié, notamment, et il faut le rappeler, grâce à l'enseignement dispensé par l'école publique de la République. Le texte est interdit, il est introuvable, il a été retiré de toutes les librairies et de tous les rayonnages des bibliothèques. Il est bref et donc nécessite peu de papier pour être reproduit. Il est écrit dans une langue simple et vivante, donc accessible au plus grand nombre. Et son sujet, alors très brièvement, durant le sujet du père Milon, c'est durant la guerre de 70, un simple paysan devient héros malgré lui en exécutant 16 uhlans prussiens. Et il venge ainsi la mort de son père, de son fils, et les humiliations de l'occupation et du pillage de ses propriétés. Donc le sujet de la nouvelle entre en résonance forte avec les événements qui accompagnent sa publication. D'abord, fin 1941 par le Parti communiste français, alors qu'il se lance dans la lutte armée, puis en 1943, après, là c'est l'édition de 1943, réalisée par un groupement du mouvement de résistance Front National, après la libération de la Corse, où le Front National et les autres grands mouvements de la résistance
appelle à la mobilisation et prépare une insurrection nationale. Durant ces 4 années d'occupation, ce sont des revues littéraires ou des collections littéraires créées par les groupes de résistants qui vont publier, diffuser légalement, semi-légalement ou illégalement un patrimoine littéraire français ou étranger, interdit ou non, ainsi que des créations contemporaines. En zone nord, à l'exception des éditions de la main à plume, qui sont semi-légales en se déjouant de certaines contraintes de la censure, toutes les publications sont illégales. En premier lieu, les éditions de minuit, qui font suite à la première revue littéraire et philosophique de la résistance, La Pensée libre, après l'arrestation de leurs auteurs, Jacques Decour, Solomon et Politzer. En zone sud, comme en Algérie et dans les territoires d'outre-mer, toutes les éditions sont placées sous haute surveillance. Elles sont parfois interdites de publication, comme Poésie, Message, Confluence, Fontaine, Tropique, etc. ou illégales, comme Les Étoiles, Les Cahiers de Libération ou la Bibliothèque française. C'est avant tout aux éditions de minuit et à la Bibliothèque française que sont publiés un répertoire littéraire ancien et nouveau, comme La Mer Sauvage, une autre nouvelle de Guy de Maupassant, Nuit Noire de John Steinbeck, Les Amants d'Avignon d'Elsa Triolet, Le Cahier Noir de François Mauriac, etc. Ce qui est à remarquer, c'est que ce foisonnement de publications et de anciennes et de créations va être supporté par un va-et-vient en particulier Londres, et les services d'information et de propagande de la France libre. Et là, de nouveau, nous allons évoquer Jean-Louis Crémieux-Briac, qui dirige ce service de la France libre. Les textes arrivent à Londres, sont reproduits, puis parachutés en masse au-dessus de la France par les avions de la RAF. Une mention particulière quand même pour des grands textes qui paraissent dans l'exil, et 2 auteurs, je tiens quand même à rappeler L'Armée des ombres de Joseph Kessel et Les écrits de combat de Georges Bernanos. Troisième forme importante de cette, ou expression de cette résistance littéraire, un chant. Ce chant est composé par les compagnons de Lazare Caspi, un chef d'un des groupements de maquisards de la Drôme, qui est tué au combat le 4 juin 1944. Pour moi, il est représentatif de cette culture ancienne et largement répandue, alliant la musique et la poésie, et qui, à l'instar du chant national, exprime une communauté, son histoire, sa culture, sa cohésion et les liens de solidarité. L'absence d'indication de l'air sur lequel le chant du docteur Caspi Lazare doit être chanté signifie que celui-ci est connu tous. Et c'est l'exemple type d'une réappropriation d'un chant ancien et populaire, ce que Joël Dussous soulignait avec La Complainte de Mandrin. Peu importe de connaître les paroles, il suffit simplement de siffloter l'air et la connivence est de fait. Vous remarquerez qu'il nous est parvenu sous la forme d'une pelure dactylographiée. Cela signifie qu'il fut reproduit en multiples exemplaires à la machine à écrire ou à la Renault, à la manière d'un tract. La duplication à la manière de tract, voire de petit format, de la Marseillaise et du chant du départ est courante durant les 4 années d'occupation. Leur diffusion est de masse. Des citations de strophes de ces 2 chants sont nombreuses dans toutes les publications de la Résistance. Enfin, très régulièrement, à l'image de ce chant, sont reproduits pour être chantés des arrangements, des mélanges, des pastiches de chants anciens ou contemporains de toute nature, et où nous en avons eu un exemple avec cette fameuse Complainte de Mandrin réappropriée par l'inoubliable Pierre Dac. Je vais quand même vous donner un autre exemple. À la une de Franc-Tireur en mars 1942, le journal clandestin, paraît un pastiche de l'hymne au maréchal Pétain, « Maréchal, nous voilà », transformé en « Général, nous voilà ». Je cite les premiers vers. « Oui, la flamme sacrée brûle encore dans nous, général, nous voilà ».
Et je reviens à Jean-Louis Crémieux-Briac, parce que cette pratique du chant est répandue non seulement en métropole et particulièrement dans les maquis, mais aussi dans la France libre. Jean-Louis Crémieux-Briac racontait avec beaucoup de plaisir comment dans l'autocar qui les amenait à Londres avant qu'ils signent leur engagement, avec ses camarades évadés par l'URSS, ils avaient composé un hymne de ralliement à la France libre et au général de Gaulle. Et ils le chantaient d'ailleurs fort bien, contrairement à ce qu'ils disaient. Voilà, quatrième et dernier forme d'expression, c'est évidemment la poésie et ce poème emblématique est « Liberté » de Paul Éluard. Je rappelle très brièvement les conditions de son écriture. D'abord, ce poème, et vous le voyez sur ce manuscrit, ce poème s'est d'abord appelé « Une seule pensée ». Paul Éluard l'écrit en 1941, l'été. C'est un poème d'amour qu'il dédie à la femme qu'il aime, à l'époque, Nuche. Il envoie ce poème à Max-Paul Fouché, qui, à Alger, dirige la revue Fontaine. Et en juin 1942, le poème est publié dans la revue Fontaine sous le titre « Une seule pensée ». Mais entre-temps, Noël Arnaud et son groupement de poètes surréalistes, de la main à plume, demandent à Éluard de composer un florilège de ses poèmes qu'il publierait sous la forme d'un petit livre intitulé « Poésie et vérité 1942 ». Éluard rassemble ses poèmes et, bien entendu, y inclut une seule pensée. Simplement, nous sommes à l'été 1942 et sur le marbre de l'imprimeur, Éluard raye une seule pensée et transforme en liberté. Parce qu'un an ont passé, les événements ont changé, et Éluard racontera que, à ce moment-là, l'amour de la liberté transcendait celui qu'il avait pour Nuche. Voilà. Alors, ce poème, comme vous l'avez vu, structure simple, 21 quatrains en octosyllabes, à la manière d'une comptine. Ce poème va faire le tour du monde, même s'il est édité en très peu d'exemplaires. Il parvient à Londres, il est reproduit. Il va être parachuté par des milliers d'exemplaires au-dessus de la France par les avions de la RAF. Très tôt, il va inspirer d'autres créations. Francis Poulenc, qui est réfugié, qui est au Vert, en Dordogne, prenant connaissance de poèmes, compose une musique sur liberté. Et ça sera un des éléments de sa cantate « Figure humaine » en 1943. Et le maître tapissier Jean Lursa dessine un carton qui donnera lieu à l'édition, au tissage d'une tapisserie par les ateliers de Buisson, évidemment clandestinement, en 1943. Pour conclure, jamais une période comme celle-ci, jamais une période dans l'histoire de France n'aura donné une telle place à la poésie, à la création poétique et à sa diffusion, ainsi qu'à son appropriation populaire. Et on le reverra, je pense, tout à l'heure, à l'exemple de ce qui se produit dans l'internement, dans les camps, dans les prisons et dans les camps de concentration. Alors deux remarques par rapport à ce que vient de nous dire Guy Crivopisco. La première concernant la chanson. Je crois qu'il faut se rappeler très très fort à quel point la chanson est importante en France dans la première moitié du 19e siècle. Nous vivons, c'est bien sûr, il n'y a pas de télévision, il y a peu d'activités culturelles. On chante beaucoup, on chante à la fin des repas. Il n'y a pas un repas de famille, et l'année est régulièrement marquée par les repas de famille pour les anniversaires, pour les fêtes ou je ne sais quoi, où une trentaine de personnes ou quelquefois plus se retrouvent pour manger ensemble. Il n'y a pas un repas qui ne se termine pas par des chansons. Donc la chanson est extrêmement importante, elle est une réalité culturelle profonde et transgénérationnelle, contrairement à aujourd'hui où les chansons sont plus générationnelles qu'elles ne l'étaient auparavant. D'où la facilité avec laquelle
on apprenait les chansons, on détournait les chansons, ne prenez que la Marseillaise, vous avez toute une série de Marseillaises différentes depuis la Marseillaise officielle, vous avez une superbe et célèbre Marseillaise anticléricale, mais il y en a infiniment d'autres, dont les chansons sont utilisées, détournées, réutilisées, réappropriées, c'est un fond culturel essentiel. Alors la deuxième chose, c'est par rapport à la poésie. Et là, je crois que le lien entre, pour ceux qui font le concours, entre enseignants de français et enseignants d'histoire-géographie serait capital. Ce qui est tout à fait frappant, c'est de voir à quel point, justement pour des raisons presque utilitaristes, mais peut-être aussi d'une espèce de retour aux sources pour affirmer une identité culturelle initiale, les poètes rompent avec tout ce qui a été création sur la forme des années 20-30. Et on revient à des formes extraordinairement classiques. Éluard en est un bon exemple. Un homme comme Aragon, c'est évident. Quand on compare les poèmes d'Aragon, même sur la forme des années 30, et après les poèmes que tout le monde connaît parce qu'ils ont été mis en chanson et par Léo Ferré et par Jean Ferrat, et parce qu'on les a lus aussi tout simplement, ces poèmes-là deviennent des poèmes extraordinairement classiques. Et cette espèce de retour au classicisme qui va être un moyen de faire connaître aussi, parce que c'est tellement facile de dire des poèmes qui sont avec des rimes régulières, avec un rythme régulier par rapport à des rythmes beaucoup plus contrastés. C'est bien sûr, ça va nourrir leur diffusion et en même temps, ça va un peu les figer dans une espèce de retour à un classicisme qui n'est pas tout à fait inintéressant à voir pour des historiens ou des historiens de la littérature. Je me tourne maintenant, puisque nous sommes passés à un autre type, nous allons passer à un autre type de création, à Hélène Staes, qui va nous parler successivement, avec des points d'interrogation, du cinéma et du théâtre. Est-ce qu'il y a pu avoir un cinéma ou un théâtre porteur de quelque chose qui pouvait s'apparenter à la résistance et de la peinture? Alors, les arts visuels, tout à fait. Merci beaucoup. Donc, la résister par l'art et la littérature, les bornes chronologiques, on est vraiment justement durant les années d'occupation. Donc, on peut s'interroger, savoir si entre 1940 et 1945, des œuvres cinématographiques ou théâtrales étaient des œuvres résistantes, du fait même de la lourdeur de leur production, des fourches codines de la censure. Est-ce que c'était possible de faire des œuvres résistantes? Et comment le public réagissait également à des citations qu'il entendait comme des invitations à résister? Alors, si je m'appuie sur les historiens du cinéma, de l'occupation, qui sont tout d'abord Jean-Pierre Bertin-Maguit, qui a écrit Le cinéma sous l'occupation en 1989, qui a été l'objet de sa thèse, ou Sylvie Lindeperg, dans son livre qui s'intitule Les écrans de l'ombre, édité aux éditions du CNRS en 1997. Ces historiens du cinéma, de l'occupation, s'entendent sur une idée simple. Pour qu'une œuvre cinématographique soit considérée comme résistante, c'est-à-dire hostile à l'occupant allemand et à Vichy, et favorable à la résistance, son auteur doit avoir la volonté de faire passer un message. Ça, c'est un premier point. Mais il faut aussi que les spectateurs reçoivent le message crypté. Il y a donc une convergence entre ce qui est dit et ce qui est reçu. Ces historiens du cinéma, de l'occupation, s'accordent pour dire que les productions cinématographiques des années 40-45 sont globalement apolitique comparé au cinéma français d'avant-guerre, qu'il qualifie plutôt de moralisateur et de conservateur. Louis Daquin, qui fut un assistant réalisateur durant la guerre, notamment de Jean Grémillon, dira après la guerre, les cinéastes font partie d'une profession qui n'a pas trahi. Alors, qui n'a pas trahi, effectivement, parmi les 220 films produits en France, ce qui est considérable, il n'y a plus de concurrence anglo-saxonne en France à ce moment-là, les films anglo-saxons ne sont plus... Donc, les cinémas français, en fait, ont à toute sa place. Il n'y a pas de films antisémites, pas de films xénophobes, anticommunistes ou antimaçons, contrairement à la dualité qu'on peut voir dans le monde littéraire. Donc, il ne s'agit pas d'un monde professionnel plus vertueux qu'un autre, mais plutôt le résultat d'une politique menée par le directeur de la Continentale, cette société de production mise en place par les Allemands durant l'occupation, qui fait en sorte que les réalisateurs traitent de sujets anodins, divertissants, pour éviter justement le retournement de la population contre, euh,
contre l'occupant, en sachant que cet Alfred Grévin est un ami intime de Göring. Donc il fait aussi, il fait bien attention. Alors il n'a pas été inquiété tout particulièrement à la fin de la guerre, il a continué de produire des films. Alors est-ce qu'on a considéré, que, alors à partir de cette définition, est-ce qu'il y a un cinéma résistant? Est-ce qu'il y a des films résistants? Celui, c'est le seul cas pour lequel les historiens de cinéma de l'occupation s'accordent, c'est Poincaral, Colonel d'Empire, qui a été, de nombreux témoins l'affirment, conçu et perçu par le public. Donc conçu comme un film résistant et perçu comme tel par le public. Alors, donc il a été réalisé par Jean Delannoy. Pierre Blanchard y campe un colonel d'Empire qui s'oppose à la Restauration, donc un colonel napoléonien qui s'oppose au retour de la monarchie. Et il y est question, en tout cas les archives de police l'attestent, des applaudissements sont attestés dans les salles lorsque le héros Poincaral, donc le colonel et son unité, partent en Afrique du Nord, partent en Algérie. Donc applaudissements. Et puis un graffiti également qui a été retrouvé à Lyon, Poincaral, c'est Giraud, hein, le départ vers l'Algérie. Donc ça, ce serait le film où il y aurait cette convergence dont je vous parlais. Longtemps, il a été question de dire que Les Visiteurs du Soir, de Marcel Carné, qu'on le connaît mieux, hein, sans doute, que Poincaral, a été considéré comme un film résistant, scénarisé par Jacques Prévert, réalisé par Marcel Carné, sorti en 1942. Donc c'est un récit qui nous place en 1485, on est au XVe siècle. Beaucoup y voient derrière ce récit moyenâgeux la France de l'occupation, des spectateurs. Les archives de police l'attestent, auraient perçu la dernière image des deux amants pétrifiés par le diable étant Pétain, pétrifiés malgré tout, leur cœur continue de battre, et ce cœur qui bat, c'était une image de la résistance. Alors Sylvie Lindeperg considère que c'est une légende urbaine, que tout ça, c'est plutôt un témoignage d'après-guerre, même Marcel Carné ne reconnaît pas une volonté résistante dans son film. Mais ce qui est intéressant, c'est la réaction du public. Donc c'est vraiment ça qui est intéressant. C'est ce qu'ils y voient, c'est ce qu'ils veulent entendre. Donc je crois que les films résistants sont à... Enfin, la résistance au cinéma sont vraiment à... Et comme le théâtre, on va le voir, à regarder à travers la réaction du public. Donc ce qui est très intéressant de voir, c'est que le message politique crypté est absent. Ou pas clair, mais les spectateurs applaudissent dans les salles. Donc il y a des réactions collectives et individuelles. Les cinéastes sont soumis à de très lourdes pressions, comme la censure, évidemment, la production, hein, pour envisager même de communiquer un message résistant, contrairement aux écrivains et aux poètes qui peuvent confidentiellement et sous le manteau diffuser leurs écrits. Hein. On n'est pas du tout dans les mêmes types de production. Alors, qu'en est-il de la France libre? Parce que la France libre s'intéresse-t-elle au cinéma? Là, il n'y a pas. Les sources sont assez peu étudiées pour le moment. On considère pas, le général de Gaulle n'a pas visiblement, hein, on en parlait avec quelques historiens de la France libre, considéré ce média. Il s'est beaucoup plus intéressé à la radio qu'au cinéma. Donc on n'a pas de film de fiction de la France libre, même s'il y a un service cinématographique, mais plutôt un service cinématographique des armées. Par contre, les alliés ont représenté la résistance. Et là, ce sont des films qui ont été tournés à Hollywood et qui montrent, c'est ça qui est important, je trouve, dans le sujet, l'engagement individuel des acteurs et des réalisateurs qui sont partis aux États-Unis. Alors, on peut citer l'exemple de Jean Gabin, qui tourne L'Imposteur aux États-Unis sous la direction de Julien Duvivier. Et c'est presque une des conditions pour qu'il s'engage dans les FFL. Donc il tourne un film, c'est un FFL qui s'engage, ancien assassin, il s'engage dans les FFL. Il va mourir à l'issue de, enfin à la fin de, mais c'est vraiment la rédemption justement, hein, de celui qui a sauvé son âme en entrant dans les FFL. Donc il fait ce film, L'Imposteur, et puis il s'engage ensuite dans les forces françaises libres. Il rentre, il va ensuite faire la guerre en Europe. C'est le cas aussi de ce film-là, The Cross of Lorraine, dont vous avez là une publicité parue dans la revue France Forever. C'est une revue du comité de la France libre aux États-Unis. Et il y a une petite erreur. Donc c'est la Croix de Lorraine.
On est en 1942 avec un Jean-Pierre Aumont, un acteur très, très connu, hein, qui tourne cette Croix de Lorraine et qui va ensuite s'engager également, lui, comme Gabin, dans les forces françaises libres. Donc on a des engagements individuels, des réalisateurs, des acteurs qui travaillent avec les alliés pour montrer la résistance. Donc ils la représentent, cette résistance. Et il y a également, pour terminer là-dessus, Jean Renoir qui tourne Vivre libre aux États-Unis, sorti aux États-Unis en 1943. Qu'en est-il du théâtre hein, pour rapidement. Alors le théâtre, il y a une affluence absolument incroyable au théâtre, tout comme au cinéma à l'époque. Alors l'historien du théâtre, c'est Serge Haddad qui a écrit Théâtre dans les années Vichy, 1940-1944, en 1992. Haddad, A-D-D-E-D. Et il montre une corrélation entre l'affluence du public dans les théâtres et la montée de la violence des 43. Comme si la culture était un refuge, une compensation. C'est-à-dire qu'on, la presse est très idéologique, la radio aussi, et aller écouter des grands textes, hein, des textes où il y a une parole plus humaine, eh bien les gens se ruent dans les théâtres. Alors est-ce qu'on peut parler de pièces résistantes ? Là encore, je crois que ce sont vraiment les réactions du public hein, qui sont à étudier. Alors il y a des exemples, notamment qui n'ont rien de résistant, mais notamment la Comédie française. Il y a un livre qui est paru sur la Comédie française lors d'une la représentation d'une pièce, La Rabouilleuse d'Émile Fabre. Des acteurs prononcent le mot tyran. Tyran, c'est un tyran, etc. Et là, des jeunes se lèvent en disant « Vive la France !» et « Hue le tyran !» etc. Donc, chahut dans le théâtre. Alors, la police, enfin, les autorités allemandes menacent de fermer quand même la Comédie française. Donc, on fait bien attention. Un autre exemple, la pièce d'Eugène Labiche, 29 degrés à l'ombre, il y a un personnage qui s'appelle Adolphe, dont on se moque, en fait, dans la pièce. Et de cet Adolphe, alors tout le monde ricane, se moque. Et là, les autorités allemandes réinvestissent le théâtre en disant « Mais il va falloir changer ça ou vous arrêtez la pièce. » Et cet Adolphe devient Alfred. Voilà, tout simplement pour faire plaisir, pour répondre en tout cas à cette censure, hein, puisqu'il y a quand même une menace très nette. Donc là, on est vraiment des réactions du public, puisque ce sont des pièces de Eugène Labiche et d'Émile Fabre, hein, plutôt très très loin de nos questions. Voilà, je voudrais juste terminer sur la peinture. En deux mots. Alors, la peinture, c'est la même chose. Hein. La difficulté, est-ce qu'on peut exposer des œuvres picturales ? Bien sûr que non. Est-ce qu'on peut réagir à la situation en exposant des œuvres ? C'est difficile. Donc, il y a quand même des galeristes hein, qui vont prendre le risque hein, d'exposer dans les arrières-salles de galeries des peintres jugés difficiles, hein, comme Nicolas de Staël, moderniste, Dubuffet, Fautrier. Donc il y a une prise de risque de la part de ces galeristes. Ça peut être une piste de travail également, hein, La Petite Esquisse ou Jeanne Boucher. Et puis vous avez là, alors c'est intéressant, ces documents, vous les avez dans la brochure numérique, hein, enfin dans la brochure papier, et vous avez la brochure numérique en ligne, tous les documents peuvent être téléchargés, enfin, en tout cas agrandi et projeté. Et vous avez un collectif de peintres qui, en 1944, s'est emparé de la résistance, justement, pour montrer, qui a fait plutôt une œuvre résistante, 12 lithographies. Et vous avez celle du bas, qui est attribuée à André Fougeron, qui est un grand peintre qui fait partie du mouvement Front National. Et vous remarquez comme cet album « Vaincre », témoignage de peintres français, là, vous avez une lithographie, un maréchal nous voilà, résonne avec le travail de Honoré Daumier, le massacre de la rue Transnonain, notamment avec le clair-obscur, hein, l'éclairage, la redisposition des corps, absolument. Donc on peut faire aussi des liens avec ce dont on s'inspire. Voilà, donc ça, ce serait à peu près la seule production résistante vendue sous le manteau hein, au profit des FTPF hein, de la part de 8 peintres, hein, notamment Boris Stasinski, Édouard Pignon, etc.
Et puis enfin, et je termine là-dessus, il y a des peintres, même amateurs, comme Joseph Steib, qui est un peintre alsacien. Je ne sais pas si vous connaissez, je crois qu'on l'a découvert dans la très belle exposition L'Art en guerre, qui a été exposée en 2012-2013. C'est un alsacien, on est quand même dans une région complètement défrancisée, la culture française n'a plus lieu d'être, et il peint dans sa cuisine 57 tableaux. Alors il y en a 34 qui ont été retrouvés par des collectionneurs. Il prend quand même le risque de tout. Alors ses amis sont au courant, sa famille aussi, il est sur sa table, il peint, il fait ses cadres également, et cette peinture date de 1942, et il prévoit la libération pour 1943. Donc ces peintures ont, pour lui en tout cas, même si c'est assez peu exprimé, il a exposé en 1945 à l'issue de la guerre, ces tableaux ont un caractère prophétique et magique. Il faut que ça se passe. Et en 43, la France sera libérée. Et on voit donc les Alsaciennes, la rivière, le blanc rouge. Enfin, là, on peut travailler sur tous ces symboles. Ce document est également sur la brochure numérique. Il peut être projeté si vous souhaitez travailler sur ces tableaux-là. Voilà. Et il y a un livre qui va sortir au 13 octobre à peu près sur Joseph Steib de la part d'un conservateur alsacien. Voilà pour... Merci Hélène, et je crois que là il y a une continuation évidente, et tout de suite donc Emmanuel Thibault va nous parler de dessins, tracts, notamment de... Alors on va rester sur le dessin. En fait, j'avais proposé cette approche par rapport à toute la documentation que j'avais pu brasser lorsque j'ai publié l'an dernier l'ouvrage Croquer la France en guerre, qui est en fait la représentation par le dessin d'humour, dessin de presse et caricature de ce qui a été publié en France pendant la guerre. Donc j'ai fait un choix, et c'est vrai que les choix que j'ai pu effectuer et que j'avais repérés pour faire cet ouvrage correspondent malheureusement à la réalité, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de choses. Si vous dessinez, si vous êtes passionné de dessin, si vous savez dessiner, que vous êtes dans la résistance, votre difficulté, ça va être de faire passer votre art pour que le plus grand nombre le voit. Alors, vous avez des exemples intéressants de personnes qui vont dessiner, on va dire, à titre personnel, qui vont faire régulièrement des croquis qui vont représenter un petit peu les scènes de la vie quotidienne, de ce qu'ils font principalement dans les maquis, parce que dans les maquis, on s'ennuie beaucoup. Au-delà des quelques faits d'armes et des quelques moments d'action, en fait, être maquisard, c'est s'ennuyer énormément. Et donc, on a pris l'exemple qui est aussi dans la brochure, vous verrez, de quelqu'un qui est Jacques Barré, donc un jeune, il a une petite vingtaine d'années, qui est dans le massif du Beldon. Et il dit, n'étant pas joueur de cartes et pour animer les longues soirées, je dessine. Et donc, il va dessiner énormément de choses. Donc, forcément, ses dessins sont à titre privé, confidentiel. Il n'y a que ses compagnons d'armes qui les voient. Mais par chance, donc, ils vont être beaucoup utilisés à la Libération pour illustrer des brochures, car c'est bien entendu à la Libération que le dessin, là, reprend toutes ses lettres de noblesse et apparaît au grand jour. Mais malgré tout, on peut trouver quelques exemples de dessins non signés, bien sûr, hein, on comprend aisément pourquoi, dans des tracts ou brochures faits par la Résistance. Donc là, c'est ce que vous voyez à l'écran, donc ce tract qui a un format à peu près d'une feuille à 4. Donc vous voyez, là, c'est d'autant plus rare, c'est qu'évidemment, quand vous êtes dans la Résistance, que vous faites des publications clandestines, vous manquez de papier, et donc... Par manque de papier, si vous avez la chance d'en avoir, c'est plus pour écrire de façon, hein, vous voyez la typographie très petite qui est utilisée pour mettre le maximum d'informations, le maximum de texte sur un peu de pages, parce que c'est souvent recto verso et rarement même format A4, c'est plus petit, c'est un format A5. Et là, vous voyez que pourtant, il y a, voilà, format A4, un dessin pour condamner le travail forcé, c'est bien entendu le STO. Donc on va voir le dessin suivant, qui reprend cette même thématique, sauf que là, vous voyez, donc l'appareil, c'est un format à peu près A4, c'est une brochure donc du Front de la Jeunesse Patriotique, donc d'obédience communiste de Seine inférieure, donc actuelle Seine maritime, et la jeunesse ouvrière, et qui condamne, là aussi, qui dénonce le STO, les hommes qui partent pour aller faire leur STO, et à qui on va inciter, s'ils le peuvent, bien entendu, de ne pas aller répondre aux demandes allemandes et de rejoindre les rangs de la résistance, ou de tout faire pour que le moins de personnes possible aillent travailler en Allemagne. Et là,
Vous voyez, donc c'est à deux lectures, parce que vous avez la moitié de la page dessinée, l'autre moitié, c'est du texte, alors du caractère d'imprimerie en capital gras, pour que le message passe bien, puis il y a un petit texte explicatif en dessous, et le verso de cette feuille est, elle, uniquement rédigée. Donc le dessin prend de la place, donc on a du mal à l'utiliser. Alors on a un autre exemple qui là est intéressant, c'est un dessin qui sert à dénoncer une situation à un instant T, hein, on a très peu de dessins du côté de la résistance type caricature, donc il faut que le dessin soit vite compréhensif pour qu'on comprenne ce que l'on veut dénoncer. Là, qu'est-ce que l'on dénonce? On dénonce évidemment les restrictions, les pénuries, le manque pour la population, sous-entendu, parce que ce sont les Allemands, c'est pas sous-entendu, c'est même vrai, parce que ce sont les Allemands qui se servent évidemment en premier, et donc il ne reste plus rien pour les populations. Donc là, c'est un tract qu'on estime pour Noël 1943, donc vous voyez, le rêve de ces enfants 1943, qui sont des enfants en rayon, on a l'impression de voir Cosette, voilà, d'avoir un sapin de Noël dans lequel on n'apporte même pas des jouets, on n'en est même plus là, quoi. C'est d'avoir des vêtements potables. Vous voyez, c'est le message. Alors, ce qui est intéressant, c'est, là, vous l'aurez dans la brochure numérique de mémoire, c'est le texte au dos, puisqu'en fait, donc, je ne développe pas, parce que ce n'est pas la thématique, mais c'est intéressant, et de toute façon, vous l'avez dans le livre aussi, c'est un tract, en fait, fait par ce qu'on appelle les manifestations de ménagères. Donc, en fait, ça aussi, c'est peu connu, mais il y a eu des manifestations, en fait, de femmes. Alors, les plus grandes majoritaires ont été faites souvent derrière par des femmes qui avaient un engagement ou une culture politique proche du Parti communiste. Mais il y a eu aussi des exemples de ménagères qui avaient un ras-le-bol total, qui se sont toutes retrouvées des fois peut-être à la sortie de l'école, hein, comme ça se fait toujours, on papote à la sortie des écoles quand on va chercher les enfants, ou quand on fait la queue pendant des heures, et qui décident de réagir et de faire des manifestations. Et ça, ce sont des mouvements qui vont apparaître dans la France entière pendant à peu près un an, 42-43, spontanément, sans qu'il y ait de coordination. Et donc voilà, c'est un tract qui correspond, et donc derrière, il y a un texte « Maman, voici Noël », etc., etc. Donc je ne développe pas, pour ne pas alourdir ici le propos. Donc on va avancer, on va regarder quelques exemples de brochures et revues de la France Libre qui elles aussi vont utiliser des dessins. Alors ici c'est intéressant parce qu'en fait c'est une brochure qui rebondit sur ce que vous avez entendu, ce que l'on a déjà dit, qui sont ces parodies de chansons qui sont faites à la BBC. La BBC est un vecteur très important, évidemment, pour diffuser une information, y compris une information artistique, musicale, on l'a entendu, les parodies de chansons, mais aussi, vous avez cette fameuse émission, donc là, qui est développée, et vous avez des extraits sonores sur le site de l'INA, que je vous invite à aller écouter, la fameuse émission Les Quatre Amis, qui sont là des véritables petites piécettes théâtrales, où trois acteurs jouent, à chaque fois, pendant quelques minutes, une scène qui met en situation l'aspect géopolitique de la guerre au moment où la scène est jouée. Et donc là, c'est une brochure aéroportée. Là aussi, c'est quelque chose, si vous avez la chance d'être à proximité d'un musée, nous, au Mémorial de Caen, on a des collections énormes de presse aéroportée. Et là aussi, c'est un fond intéressant parce qu'en fait, la presse aéroportée qui est censé aussi donner l'espoir et continuer à ce que la population puisse comprendre qu'elle n'est pas seule et que c'est une guerre mondiale et qu'il faut continuer à résister de l'intérieur parce qu'il y a de l'aide extérieure. Et la presse aéroportée et les tracts aéroportés alliés jouent un rôle très important. Et beaucoup, beaucoup de ces tracts et de cette presse utilisent le dessin. Et là, on revoit majoritairement la caricature. Donc on peut voir des exemples qui suivent. Alors, on ne va pas voir les exemples qui suivent, parce que comme on est quand même sur les chansons que vous avez entendues à la radio... Ah oui, on va écouter les chansons, voilà, une chanson, moi, exactement. On vous propose une chanson qui est quand même très amusante. Il court le Laval, il fait tout le temps la navette. Il court le Laval, il voyage pour l'ennemi. Il a passé par Paris, prendre le mot de l'ordre des nazis. Le v'là qui retourne à Vichy, puis il repart pour Paris. Il court le Laval, en chemin de fer et en auto. Mais tout ça va finir mal, espérons que ça sera bientôt. Thank you.
Voilà, tout le monde aura reconnu cette course du furet. Donc, là aussi, on pouvait siffloter, il court le furet. Il y a des gens qui mettaient autre chose derrière. Alors là, justement, dans cette brochure, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, on s'inspire toujours, ce que Guy a rappelé, des airs populaires connus. Donc là, c'est Prosper Joplatbaum qui devient Hitler Joplatbaum. Alors là, c'est les chansons de Van Mopes qui était passé à Londres, qui était quelqu'un qui avait fait aussi l'école des Beaux-Arts. Et c'est aussi lui qui à la fois faisait ses parodies et a fait les dessins. Donc c'est intéressant parce qu'il a même là, vous voyez, dans cette brochure-là, un double rôle. Et là, c'est la fameuse campagne DV hein, sur l'air de la symphonie de Beethoven, où on vous dit faites DV, écrivez-le, chantonnez-la, faites DV, VVVV. Et donc c'est la fameuse campagne VVVV. Et donc il fallait, et donc jusqu'à employer un terme qui est peu connu dedans, il faut endever les doryphores. Et endever, c'est un vieux terme français qui signifie embêter pour être poli. Hein. Et on finit avec le terme. On est justement sur la chanson DV. Alors un petit peu, on va un petit peu monter le niveau culturel quand même pour la salle. On va sortir du furet à, on va passer du furet à Beethoven. Allons-y un coup quand même. Désespérer, on les aura. Il ne faut pas vous arrêter de résister. Et n'oubliez pas la lettre V. Écrivez-la, chantonnez-la, VVVV. Sur les murs et sur les pavés, faites des V. Mais vous pouvez faire en DV les doryphores. Et sans remords, et sans danger, vous sifflerez, vous chanterez VVVV. Qui n'est pas de Pierre Dac, contrairement à ce que beaucoup pensent. Pierre Dac arrive après. Donc voilà, donc vous avez ces exemples. Et on va finir, parce que l'heure tourne. Alors là, c'est un document pour montrer aussi que dans la presse de la France Libre, hein, vous savez que la France Libre a des éditions et des journaux dans le monde entier. Ici, c'est une revue qui s'appelle France Orient, qui est éditée à Calcutta. Hein, vous voyez que la France Libre, c'est vraiment... jusqu'à des endroits où on ne les pense pas. Et là, vous voyez, c'est un dessin qui se moque, en fait, des campagnes d'Afrique du Nord. Donc, et vous voyez, donc, c'est une forme un peu de dessin de moquerie, le dessin d'humour traditionnel. Donc, on reconnaît les principaux leaders, Hitler, Mussolini, Rommel, Goebbels, etc. Comme si c'était des hiéroglyphes, nouveaux hiéroglyphes qu'on avait retrouvés. Donc, voilà aussi des pistes pour vous, que vous voyez à quel point tous ces supports sont intéressants. Et je pense aussi pour des jeunes élèves, c'est des documents faciles à exploiter parce que c'est une façon un peu plus amusante d'aborder la guerre, même si c'est bien sûr pour dénoncer des situations et des sujets graves. Eh bien, avec ces chansons et ces propos, on va arrêter une première partie et passer à une partie beaucoup plus courte, mais que nous voulions absolument aborder. C'est la question de l'enfermement et de la déportation. De quelle manière ça a été un objet, un moment de création, ça a pu l'être, et de quelle manière c'était aussi une manière de se réapproprier un patrimoine qui permettait de survivre. Et donc, d'abord, nos trois intervenants vont... parler sur cette question-là. Donc d'abord, Guy Crivopisco, sur tout ce qui est création, mais aussi patrimoine pendant l'enfermement et pendant la déportation. Alors, moi, je souhaiterais vous lire, pour montrer à quel point c'est présent, ces quelques extraits, quatre, de dernières lettres de fusillés. D'abord, celle de Fernand Zelkinov. Je songe à tous mes héros, à Saint-Just et à Owen Spiegel, à Jacques Vintras et à Jean-Christophe. Et je songe à mes bouquins. Je songe à vous tous. Je n'ai fait que rêver. Tous ces textes sont écrits au maximum 3 heures avant d'être l'exécution. Henri Fertek, il sera compagnon de la Libération, fait compagnon de la Libération 16 ans. Maman, rappelle-toi, je cite... Et ces vengeurs auront de nouveaux défenseurs qui, après leur mort, auront des successeurs. Burrus Britannicus. Il était élève au
lycée Victor Hugo à Besançon. Un ouvrier mineur. Je n'éprouve pas le besoin de dormir, non par peur, mais pour remémorer ma vie. Car dormir, bah, est-ce que je n'aurai pas le temps tout à l'heure? Figure-toi que j'ai chanté le plus sur la route pour encourager mes camarades. Post-scriptum, aux pensées à moi, chanter il pleut sur la route. Et puis Boris Vildès, cet ethnologue, un des fondateurs du mouvement du Musée de l'Homme, dans sa dernière lettre à son épouse. Oh, je viens de me regarder dans la glace, j'y ai trouvé mon visage ordinaire et il me vient à l'esprit le quatrain que j'ai composé il y a quelques semaines. Comme toujours, impassible et courageux inutilement, je servirai de cible aux 12 fusils allemands. Tu as parlé là de personnes qui avaient été emprisonnées, torturées et fusillées. En termes d'enfermement aussi, on ne peut pas ne pas penser à Marie-Josée Chambard de Love quand elle est arrêtée avant d'être déportée. Et d'ailleurs, c'est resté sur les murs de sa prison. Elle reste un certain nombre de semaines, même de mois d'ailleurs, en prison. Et elle est accompagnée par un poème que tous les élèves apprenaient à ce moment-là, qui était vraiment un bien collectif, qui était La mort du loup d'Alfred de Vigny. Et la dernière strophe de Vigny, elle l'écrit sur le mur. C'est vrai, c'est vraiment pour moi là, cette preuve extrêmement tangible de à quel point une culture réappropriée devenue vraiment quelque chose de fondamental et permet d'exprimer ce qu'on est essentiellement et de vivre ou de survivre ou de témoigner pour après sa mort. Alors dans toutes les prisons que tu disais, dans tous les camps d'internement en France et en Afrique du Nord, dans tous les camps de concentration et même dans les camps d'extermination, partout, chaque fois que cela a été possible, je dis bien, chaque fois que cela était possible, les internés, à la fois pour maintenir leur dignité pour eux-mêmes, pour continuer avec les autres à espérer, parce que tous pensent qu'ils s'en sortiront, voire même qu'ils pourront reprendre le combat quand on est emprisonné. Parce qu'il faut s'améliorer. Il y a toujours cette idée qu'on deviendra meilleur et que cette expérience doit servir à quelque chose. Et puis, parce qu'il faut faire face au bourreau, et que le vainqueur, c'est celui qui fait face. Et donc, chaque fois que cela est possible, toutes les activités culturelles et créatrices sont développées. Alors, j'effeuille comme ça, parce que on pourrait, dans la brochure, il y a un dossier fort complet et passionnant. Prendre simplement cet exemple. Au camp de concentration de Buchenwald, la place qu'occupe le chêne de Goethe, dans la vie des résistants déportés. Vous savez que ce chêne était au cœur du camp de concentration. Et pour les déportés français, Goethe, c'est celui qui, après la bataille de Valmy, va dire qu'ici, en ce lieu et à cette date, une nouvelle phase de l'histoire du monde commence. Et donc pour tous les déportés, et à travers toutes les créations qui vont être réalisées à Buchenwald, le chêne est omniprésent. Dans ce camp, évidemment, vont se développer des activités nombreuses. La poésie d'Aragon entre avec le poète, le peintre Boris Stasliski. Le musicien Maurice Evitt crée un orchestre et il y a des matinées musicales où on joue Haydn, Mozart, Beethoven. Il y a des après-midi de récréation poétique, il y a même un concours de poésie organisé, c'est le critique et romancier Jean-Gandré Réty qui gagne ce concours, et son poème sera mis en musique à son retour en France par Henri Dutilleux, c'est la chanson de la déportée. Partout dans tous les camps. Je vais prendre un autre exemple,
quand de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande, les internés arrivent avec des livres. Les organisations humanitaires apportent des livres et dans ces deux camps, il y a une bibliothèque de littérature. Et les livres sont lus, on les conserve au musée, il y a encore les fiches d'emprunt des livres à la bibliothèque des camps de Pithiviers et Beaune-la-Rolande. On lit. À Ravensbrück, Germaine Tillion, avec ses camarades, pensant qu'elles allaient passer Noël, elles savaient que Paris était libéré, pensaient qu'elles allaient passer Noël en famille avec leurs enfants. Et puis, cette espérance ne se produit pas. Et donc, pour ne pas désespérer, on se met à écrire, et Germaine Tillion écrit une opérette. Alors là, c'est le sommet de ce qui est pastiche, arrangement, mélange, réappropriation de toute une culture musicale, savante et aussi populaire, à travers cela. Mais il y a un dossier extraordinaire dans le dossier concours. Et puis, pour terminer, parce que la fille de Pierre Provost est là, à Buchenwald, le graveur Pierre Provost, graveur de métier, mais graveur aussi de la résistance, et c'est pour ça qu'il est arrêté et déporté au camp du Buchenwald, le graveur Pierre Provost va graver la médaille de la libération du camp, alors que le camp est encore, n'est pas libéré. Et cette médaille extraordinaire que vous verrez au musée vient d'être produite par la Monnaie de Paris. Et il y a au musée mémorial de Buchenwald d'Aura une grande exposition consacrée à l'œuvre du graveur Pierre Provost, et en particulier ses œuvres créées au camp de Buchenwald et cette médaille de la libération. Emmanuel va continuer avec un autre exemple tout à fait magnifique. Oui, un exemple qui nous est cher à Caen, puisque on conserve une partie de ce fonds, l'autre partie étant au musée de la résistance et de la déportation de Besançon. Donc ce sont les œuvres réalisées clandestinement par l'abbé Jean d'Aligo, qui était donc un abbé originaire de la région de Caen, qui va être arrêté en 1941, abominablement torturé, parce que c'était un résistant et qu'il avait un rôle important. Donc c'est évidemment de faire passer. Il est à deux doigts de passer à la démence, tellement il est torturé. Il va être envoyé dans plusieurs prison, camp, dont le camp d'Inzert, entre autres, et il finira donc par le camp de Darao, où il va être exécuté la veille de la libération, donc le 28 avril 1945. Et pendant sa déportation, il va réussir à réaliser des œuvres picturales et artistiques, quelques œuvres en 3D aussi, quelques petites sculptures, mais beaucoup de dessins noirs ou couleurs. Là, c'est cet autoportrait qu'il réalise, que vous voyez ici. Mais il va aussi dessiner ses camarades de captivité, mais aussi ses geôliers. Il va faire des SS et des capots. Donc on a un dessin d'un capot aussi qu'il réalise, vous voyez, qu'il représente. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ce besoin de s'exprimer à la fois, parce que c'est pour lui une libération, c'est encore une façon certainement aussi pour lui de dire j'existe encore puisque je crée, c'est aussi, il en est conscient puisqu'il sent tous ses camarades de captivité témoigneront après-guerre de sa volonté aussi que ce qu'il va faire c'est un témoignage pour transmettre quelque chose après sa mort, pour que on sache ce qu'il s'est réellement passé, ce qui est le cas de beaucoup de ses œuvres qui sont réalisées en captivité. Et donc il utilise de tout. Pour faire ses couleurs, il va utiliser du vert ou du noir gratté sur les murs, le blanc est fait avec du savon. On sait qu'il utilise même un peu de sang séché parfois pour lier ses couleurs. Donc vous voyez, tout va être mis à contribution pour que son œuvre devienne aussi un témoignage. Et c'est vrai que des exemples comme ça, il y en a beaucoup d'autres, et peut-être que par région, vous avez aussi votre abbé d'Aligo à creuser, c'est même certain.
Un dernier exemple que vous connaissez sans doute, c'est la production donc à Ravensbrück de Jeannette Lherminier, ici Raymond Bois. Jeannette Lherminier prétend qu'elle ne s'est pas dessinée dans ses témoignages. On voit que ses dessins sont quand même extrêmement aboutis. Elle donne une idée de la féminité qui n'est absolument pas affectée. Elle veut continuer de montrer à ses camarades de déportation qu'elle reste belle, elle reste féminine. Elle ne leur fait aucun visage, prétextant qu'elle ne sait pas dessiner, mais elle ne veut surtout pas leur montrer à quoi elle ressemble. Donc elle fait le corps, elle fait les robes, on dirait des gravures de mode. Hein, et ça, c'est un carton. Elle travaille. Ce qui est intéressant comme idée, c'est que c'est vraiment la solidarité envers les créateurs. C'est-à-dire que beaucoup de déportés vont lui apporter des crayons. Et là, c'est un carton de munitions. Donc elle a beaucoup travaillé sur des cartons qu'elle a dépliés et ça donne ce dessin. Elle a à peu près créé 150 œuvres pour Jeannette Lherminier. Toujours dans la brochure numérique, on a mis des extensions pour voir d'autres œuvres de l'abbé d'Aligo et d'autres œuvres de Jeannette Lherminier. Donc il y a des choses sur lesquelles vous pouvez éventuellement travailler également avec les candidats. Et évoquant les peintres, on ne peut pas penser à un très grand peintre qui est Musich, qui est déporté à Dachau, a fait des dessins alors qu'il était sur place, et quelques années après a sorti une série à partir de ses dessins qui est assez extraordinaire, qui s'intitule « Nous ne sommes pas les derniers », et où justement il reprend les dessins qu'il a dessinés pendant qu'il est dans ce camp de concentration de ces gens encore vivants ou déjà morts, hein, qui représentent et qui sont assez ce sont des dessins tout à fait prodigieux, assez saisissants et extraordinaires. Nous avons terminé un petit peu plus tard que prévu, mais je crois en tenant à peu près quand même le temps, cette présentation que nous voulions assez complète. Bien entendu, les questions, apports que vous pourriez faire sont les bienvenues. Donc, à vous la parole. Je prends 1, 2, 3 en montant, madame. Vous devez avoir un micro, madame. Vous appuyez sur le petit bouton, là, si c'est rouge, c'est bon. J'avais une question pour le cinéma. À propos, alors j'en avais plusieurs, en fait, je vais m'en tenir à une. À propos du corbeau d'Henri-Georges Clouzot. Henri-Georges Clouzot a été puni à la Libération. Or, quand on revoit le film, et je l'ai vu de nombreuses fois, et même quand on revoit l'affiche, on sent quand même une critique assez forte de la politique de Vichy et de la France occupée aussi, et de la, comment dire, d'une population qui peut tomber dans l'excès. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, si vous voulez bien, on prend l'ensemble de deux questions, bien entendu après la parole sera pensée. Il y avait une deuxième personne juste derrière, madame. Oui, deux petites questions. Peut-on considérer que les objets fabriqués dans les camps sont des œuvres d'art? Oui. Première question. Et les dessins postérieurs à l'internement? Tout à fait. C'est une question qu'on s'est beaucoup posée. Merci de la poser. Quelqu'un avait... Oui, c'était pour plutôt une intervention sur la place de la musique dans le système concentrationnaire. Oui, madame. C'est une question ou une intervention? Une intervention. Oui, allez-y. C'est parce que donc moi je suis historienne de la musique, spécialiste des politiques musicales en Allemagne, notamment dans le système concentrationnaire. Et ce que je voulais juste dire par rapport à tout ce que vous avez apporté sur les autres arts, c'est que la place de la musique est particulière dans le sens où la musique était officiellement utilisée dans les camps pour régler le fonctionnement très militaire des camps, et que donc l'enjeu sur la résistance par la création musicale a été de se réapproprier un répertoire qui était un peu entaché aussi de collaboration. Donc
Donc c'est une place tout à fait particulière, et pour ce qui peut être utilisé en cours pour les enseignants, c'est ce qui a été appelé plus tard le champ des marais, donc le Burger Morlid, qui inaugure toute la tradition des champs des camps. Dans tous les camps, pratiquement, il y a eu des champs spécifiques composés, Buchenwald, Dachau, donc le Burger Morlid et le champ des marais du camp de Burger Mor. Madame, une autre remarque, question ou intervention? Non, mais écoutez, nous avons une question sur le corbeau, une question sur les objets, une question sur les dessins et une question, enfin, une thématique sur la musique. Allez-y, Hélène, peut-être. Alors, ce que j'ai lu du corbeau, mais. Vous me direz si vous en avez, vous avez d'autres choses à dire. Le corbeau de Clouseau a fait l'objet d'un article extrêmement violent dans la presse clandestine. Par exemple, les Lettres françaises, on trouve que c'est un film tout à fait inadapté. L'article est intitulé « Le corbeau est déplumé ». Donc les résistants ne le reconnaissent pas, en tout cas ceux des Lettres françaises ne le reconnaissent pas comme un film résistant. Sous prétexte qu'il aurait été projeté en Allemagne, notamment sous le titre de province française. Il y montrerait une France dégénérée qui n'a vraiment la désespérance de la France. Alors, la virulence de l'accusation, c'est ce que j'avais donc lu parmi ces Jean-Pierre Maguit et Sylvine de Pergue, tient sans doute au fait, parce que Clouseau a été jugé quand même après la guerre, Clouseau était proche de Greven, justement, le directeur de la Continentale, trop proche. Ça pourrait participer aussi de cette accusation. Je crois qu'aussi, très, très simplement, Clouseau montre tout un village qui passe son temps à se dénoncer par lettre anonyme les uns les autres, y compris de la personne la plus simple jusqu'au notable. Et donc, à ce moment-là, c'est montrer une image très négative d'une France qui a envie d'elle-même d'avoir d'elle-même des images positives. C'est aussi simple que ça. Donc, on comprend l'accueil du film, mais on sait aussi que c'est un chef-d'œuvre. Qui est inspiré d'une histoire vraie. Donc, bien sûr. Alors, moi, je voulais pas revenir sur le corbeau, simplement montrer que les réceptions peuvent être différentes. Hélène, tu parlais du film formidable de Jean Renoir, Vivre libre, tourné aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est il fait un flop parce que les Américains ne comprennent pas du tout cette histoire tout en subtilité. Et quand Renoir revient en France et qu'il présente ce film, c'est un bide. Et plus qu'un bide, Renoir reçoit des lettres de menace et dit que c'est le pire souvenir de sa vie. Et donc ce film qu'il a conçu en hommage à la résistance n'est pas compris par la population et en particulier par les résistants. Alors on avait une question sur les objets. Tout à fait intéressante. Est-ce que il y a des éléments de réflexion, Emmanuel? Sur les objets qui sont faits dans les camps, ils sont souvent présentés comme étant une volonté artistique de par ceux qui les font. On parle même c'est à la fois une côté artistique aussi, une volonté, ce que je disais tout à l'heure, de créer, c'est exister. Et par exemple, c'est Marie-Jo Chambardelot hein, qui le rappelle, et je trouve ça, faut voir les yeux des jeunes lorsqu'elle raconte ça. Elle présente toujours avec elle des petits objets fabriqués avec ce qui pouvait être récupéré dans un camp, c'est-à-dire pas grand-chose, vous imaginez bien, et qui étaient offerts à l'anniversaire. Ça se faisait beaucoup, principalement dans les camps de femmes. Et Marie-Jo Bonnet, dans son livre aussi, sur l'intimité dans les camps, le rappelle. Et ça, c'est quelque part, oui, c'est une petite forme d'art à votre petit niveau. Est-ce que le cadeau que votre enfant vous fait à la fête des mères, est-ce que c'est une œuvre d'art ou pas? On peut poser la question, mais on en est à ce niveau-là. Je pense, oui, que... dans beaucoup de cas, c'est vu comme une forme d'art, mais aussi comme un témoignage. Moi, je vais prendre un exemple, puisqu'on parlait du graveur Pierre Provost. Quand tout manque
et que vous avez une cuillère dans les mains et que cette cuillère devient une médaille gravée. Tout est dit. Tout est dit. La cuillère est vitale. La cuillère est vitale et tout à coup elle devient médaille au péril de la vie. Il n'y a dans ces réalisations aucune fonction utilitaire. Aucune fonction utilitaire. Et tout est fait au péril même de la vie. Et donc là, on est au cœur même de l'esprit, du spirituel, de la dignité. Et là, je crois qu'au fait, même si certains objets peuvent paraître dérisoires, enfantins, mal fabriqués, on touche là à l'essence même de ce qu'est l'art. Un art primitif. Il y avait une question sur les dessins postérieurs. C'est tout le débat, effectivement, sur quand un peintre, un graveur produit après avoir été déporté. Alors, il y a deux solutions, les dessins ou les œuvres sur la déportation alors que le peintre n'a pas été déporté, et la deuxième chose qui est quand le peintre a été déporté, le sculpteur a été déporté et qu'il produit après. Ce sont deux questions un peu différentes, mais qui posent l'une et l'autre la question du rapport ou à ce qui était vécu ou à ce qu'on veut témoigner, à ce qu'on veut dire par rapport à une situation que l'on veut continuer à dénoncer et à dire comme intolérable. Alors, ça, pour ma part, mais je vais tout de suite passer la parole à Hélène et puis bien sûr à nos deux autres intervenants. Bien entendu, ce n'est pas quelque chose qui est fait à ce moment-là. Mais c'est tellement porté par ce qui a été vécu ou par soi-même ou par d'autres et dont on veut impérativement prolonger le témoignage et la dignité humaine, qu'il me semble que ça ne peut pas être complètement séparé. Parce qu'on voit bien que à quel point les écrivains, même quand ils n'écrivent pas pendant leur déportation, sont marqués durablement par ce qu'ils ont vécu et passent une partie de leur temps à réintroduire dans l'écrit ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils n'ont pas pu écrire à ce moment-là. Je pense qu'il en est de même pour les peintres, qu'il en est de même pour les graveurs, qu'il en est de même pour les sculpteurs. Il y a ceux qui peuvent faire sur place, sur le moment même, parce que c'est une question de survie, mais je pense que cette notion de survie en disant « j'ai vécu cela, je ne peux pas ne pas m'exprimer picturalement, musicalement, par l'écrit sur cette question-là », il me semble que ça fait partie, c'est quelque chose qui est tout de même assez inséparable, même si chronologiquement, oui, nous en termes de questions de concours, je crois qu'effectivement, nous privilégions ce qui est fait pendant cette période. Mais nous savons bien à quel point les deux sont inséparables. Newsige est inséparable de ce qu'il a vécu. Il n'est pas pensable d'imaginer que cette extraordinaire série ne soit pas complètement imprégnée de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a dessiné, et même de ce qu'il a pu ne pas dessiner effectivement, mais dessiner dans sa tête pendant qu'il était... qu'il était déporté. Je crois que on a eu beaucoup de discussions avec le comité de rédaction, vous imaginez bien, avec un thème pareil. On s'est vraiment arrêté en 45. Il y a des gens qui ne pouvaient pas avoir de stylo, pas de papier, qui ne pouvaient pas dessiner non plus. À Auschwitz, quand on est un Sonderkommando, on ne dessine pas. Donc David Oller, par exemple, va sortir d'Auschwitz et au moment où il est transféré dans un autre camp, il commence à dessiner. Donc là, on l'inscrit dans le corpus. Après, tout ce qui est la mémoire, justement, hein, l'après, ça pose question. Nous, on ne l'a pas mis dans le corpus, voilà, on ne l'a pas mis dans la brochure, sinon alors là, on fait un catalogue. Et puis, on s'est vraiment limité à 45. Donc, David Oller, on le met. Le père Léon Leloir crée 4000 alexandrins dans sa tête et ne peut pas les écrire. Il revient et il les dicte
Il les dicte parce qu'il les connaît par cœur. Il a besoin, il meurt après d'un accident de voiture, il va brutalement disparaître très tôt, mais le temps du poème a pu être transcrit. Voilà où on s'est arrêté, nous. J'ai réussi quand même, après moult discussions, à imposer un personnage auquel je tenais, parce que je l'avais abordé dans mon livre. C'est le seul dessinateur d'humour français qui va être arrêté sur ordre des Allemands pour un dessin qu'il a publié en 1943 qui déplaît aux Allemands, parce qu'ils pensent qu'il a dessiné quelqu'un qu'il caricaturerait comme Hitler, alors que lui s'en est toujours défendu et qu'il se moque du régime nazi. Et en 1943, évidemment, ça se fait absolument pas, et encore moins qu'en 1941. Et donc, du coup, pour l'exemple, il s'appelle Bernard Aldebert. C'est un grand dessinateur d'humour très connu à l'époque, c'est l'équivalent presque d'un Plantu, très populaire à l'époque, et ce dessin va l'envoyer en camp, et donc il va faire Buchenwald, Mauthausen, Gusen 1 et 2, donc vous voyez, ça parcourt très dur, et lui la seule chose qu'il sait faire c'est dessiner, donc son témoignage il le publie 6 mois après son retour des camps dans un album chez Fayard qui s'appelle Chemin de Croix en 50 stations, qui sont en fait 50 dessins qui racontent le calvaire qu'il a subi dans les camps, lui et ses camarades, et donc on l'a mis un petit peu parce qu'il est à la marge, il est arrêté parce qu'il dessinait pas nécessairement un dessin de résistance, pas du tout, mais qui a été interprété comme un dessin d'opposition, donc quelque part il va malgré lui rentrer dans le camp des opposants, des résistants, et utiliser le dessin comme forme de témoignage. Et donc là vraiment on est ric-rac, je fais exprès d'employer ce mot puisque la revue dans laquelle il a publié le dessin qui lui a valu cette condamnation s'appelait Ric-et-Rac. Alors, Guy Crivopisco a écrit « Lettres de fusillé » chez Talandier. Il a écrit « L'opéra en résistance ». Vous voyez que nous sommes au cœur de notre sujet, dans l'œil d'or. Et va paraître un de ses livres où il travaille, il est dans un collectif d'écriture sur les résistants chez Belin en novembre. Emmanuel Thiébaud, comme nous l'avons dit et nous le montrons, vient de faire paraître « Croquer la France en guerre 1939-1945 » chez Armand Collin. Il le signe cet après-midi à 16h30 à la librairie L'Abbé. Tout à fait. Au stand de la librairie L'Abbé. Stand numéro 33. Merci infiniment à tous les deux. Merci infiniment à Hélène Saez. Et à Alain Bria. Hélène, vous avez un mot? Si vous avez besoin de brochures, on en a apporté autant qu'il vous en faut à la Fondation de la Résistance. On vous en donne autant que vous en voulez pour vos candidats, pour vous, pour vos collègues. Et il y a une brochure numérique en ligne avec des ressources audiovisuelles que j'ai mis ici, des renvois à des sites et des dossiers complémentaires également sur le site de la Fondation de la Résistance. Profitez-en bien. Merci. Et puis on sent... Merci.